Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Shalom, serviteurs et servantes de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus, qui nous réunit en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, béni sois-tu, Père très saint. Tu nous as encore réveillés aujourd'hui. Quelle grâce. Béni sois-tu pour la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Béni sois-tu pour ta paix et ta joie que tu sèmes dans nos cœurs. Béni sois-tu pour ta providence, pour ta protection. Béni sois-tu, Père, pour cette main puissante qui repose sur nous. Béni sois-tu, Père, de ce que tu prends soin de nos vies. La Bible déclare que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Quelle grâce! Alors que, Père, nous ne l'avons même pas mérité. Mais tu nous aimes comme nous sommes, tels que nous sommes. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Merci, parce que sans toi, nos vies tombent en ruine. De quoi nous enorgueillir si tout nous vient de toi? Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, Papa. Mais tu es là et tu nous assistes. Tu nous fais du bien, que du bien. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Gloire et louange à toi, Père très saint. Honneur, puissance et action de grâce au Seigneur des armées, à celui qui était, qui est et qui vient, à celui par qui tout a été fait, sans lui rien ne fut, à celui qui est mort sur la croix pour nous, Jésus. Merci, grand frère, de ce qu'en ce matin tu nous parles encore. Comme tu le fais chaque jour, c'est nous qui ne sommes pas attentifs, mais ta voix résonne encore et encore. Et bien-aimé, ce matin, notre Maître, notre Seigneur, notre grand frère Jésus, vient nous alerter encore. Il déclare, veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Jésus, donne-nous la grâce d'attendre dans la prière et dans le réveil. Donne-nous la grâce de t'attendre parce que nous savons que tu viens. Tu viens, Seigneur, et tu viens pour nous chercher. Parce que dans la maison de ton Père, tu diras, il y a plein de demeures. Tu vas les préparer et tu reviens bientôt pour nous chercher. Alors donne-nous d'attendre dans la prière, d'attendre ce moment glorieux, cette rencontre d'amour que nous aurons avec toi. Bien-aimé de Dieu, disposons nos cœurs encore en ce jour et demandons à Dieu la grâce de l'attente dans la prière, dans la paix et dans la joie. Alléluia. 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 Mon ami, réveille-toi. Mon ami, réveille-toi. Jésus arrive bientôt. Il vient pour nous chercher. Mon ami, réveille-toi. Mon ami, réveille-toi. Jésus arrive bientôt. Il vient pour nous chercher. Mon frère, réveille-toi. Ma sœur, réveille-toi. Jésus arrive bientôt. Viens pour nous chercher. Bien-aimé, sois dans l'attente. Bien-aimé, sois dans l'attente. Dans la prière, dans la paix et la joie, Jésus arrive bientôt. Il disait à ses disciples, vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure vient le voleur, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Il viendra pour vous chercher. Alors bien-aimé de Dieu, réveillons-nous.
Tenons-nous prêts dans l'attente du Maître, dans la prière, dans la paix et la joie. Il revient pour nous chercher. Seigneur, nous t'attendons dans la prière. Nous t'attendons en faisant le bien. Nous t'attendons en vivant la charité. Parce que nous savons que tu reviens bientôt. Oui, bien-aimé, sois dans la prière. Bien-aimé, vis la charité. Bien-aimé, vis le pardon. Jésus revient bientôt. Ah Seigneur, nous te bénissons. Parce que quand nous pensons à cette rencontre d'amour que nous aurons avec toi bientôt, nos cœurs sont dans la joie. Nous n'avons pas peur, Jésus, parce que nous savons que tu viens pour nous chercher et nous amener avec toi dans cette demeure que tu as déjà préparée pour nous. Nous sommes convaincus que nous sommes déjà sauvés. Bien-aimé, demeure dans la foi que Jésus t'a sauvé. Demeure dans le bien, demeure dans la paix, dans la joie. Demeure dans la prière. Il revient bientôt et avec lui nous partirons dans les lieux célestes. Là où il n'y a ni de grincement de dents, ni de pleurs. Là où nous allons l'adorer pour l'éternité. Alors préparons-nous davantage à cette rencontre d'amour. Préparons nos cœurs davantage à recevoir le maître de nos vies qui vient. Alléluia. 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 Seigneur, béni sois-tu. Mon frère, ma sœur, je te le dis, Jésus revient bientôt. Préparons-nous à cette rencontre d'amour. Il vient pour nous chercher. Yeshua Mashiach, le Seigneur des Seigneurs, le puissant de Jacob, le prince de la paix, notre ami revient bientôt. Seigneur, nous sommes dans la joie. Seigneur, nous crions d'allégresse. Rien qu'à penser à ce jour glorieux. Alléluia. Nous pensons à ce jour glorieux et nous sommes dans la joie. Béni sois-tu, Jésus. Oh, quelle grâce d'être chrétien. Quelle grâce d'appartenir à Jésus. Quelle grâce. Quelle grâce. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oui, je me prépare dans la prière, car je sais que mon ami revient bientôt. Il vient pour me chercher. Je me prépare dans la joie, comme cette épouse qui se prépare au mariage. Alléluia, mon Seigneur vient. Il vient pour me chercher. Alors bien-aimé, demeure dans la paix et dans la joie. Demeure dans la confiance. Nous, chrétiens, appartenant à Jésus, nous n'avons pas peur de la mort. Parce que nous savons que c'est une autre vie qui commence. Alors le Maître vient. Il vient nous amener avec lui. Et là où nous serons dans la joie et dans la paix pour l'éternité, adorant Dieu avec les saints. Que rien ne nous fasse rater ce moment de gloire bien-aimé. Demeure dans la paix et dans la joie, dans la prière et dans cette attente. Je te souhaite vraiment de passer une excellente journée dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.